Bernadette Tourier est une artiste, comme vous allez le voir, qui maîtrise vraiment l'art, qui maîtrise la peinture. Elle est professeure de peinture et elle réalise vraiment des œuvres qui sont extrêmement émouvantes. C'est une artiste confirmée et nous considérons qu'elle a un talent exceptionnel. Alors pourquoi hommage à Turner? Eh bien tout simplement parce que Turner, comme vous le savez, était un grand maître, un grand peintre. En fait, cette peinture est un émerveillement. On voit toute cette clarté qui est diaphane. On voit effectivement des paysages qui se construisent avec une force naturelle. 首先我们在这幅画中看到的是它背景明亮的颜色，以及这种通过植被来体现的自然的力。 La peinture de Nanette Tournier est une peinture qui marque actuellement l'art contemporain. 我们认为在纳代特的作品呢，它是在当代艺术享有盛名的。 J'attire l'attention de Monsieur le Président du Jury sur cet hommage à Turner, qui est réalisé dans le propre style de l'artiste. C'est avec son propre style qu'elle réalise cet hommage à Turner. 首先呢，这个艺术家他在艺术创作中采用的是他自己独有的一种风格，但同时呢，我们也要看到。 Regardez la finesse, la délicatesse de son travail. C'est un travail, disons, avec une immense délicatesse, ce talent qui a cet amour du peintre. Nanette Tournier est une artiste qui a créé un support qui s'appelle l'huile rêve. C'est-à-dire que c'est en fait un travail qu'elle a réalisé, un mélange de couleurs et de peintures qu'elle crée et qui applique et qu'elle arrive ensuite à appliquer sur des œuvres et qui produisent ces couleurs tellement, on peut dire, translucides, transparentes, qui font finalement de ce tableau comme un morceau de rêve. Premièrement, cet artiste, nous pouvons le qualifier de微型油画ou de小型油画。它在它的创作过程中呢，将颜色与光线进行混合，然后我们可以很清楚的 从画面当中感受到，似乎整个画面接近于透明的这样一种感觉。 Nanette Tournier fait partie de ces artistes qui ont vraiment leur pleine place au niveau international. C'est une artiste qui a sa pleine place, on peut dire, auprès de ces mouvements de peinture internationaux. Et c'est pour cela que nous la présentons aujourd'hui à Pékin. 纳代特呢，他是在国际上享有声誉的一位艺术家，也正是因为这个原因，我们今天才在北京介绍他的作品。 À présent, nous allons voir une autre œuvre de Nanette Tournier. Admirez cette beauté, on a l'impression d'avoir quelque chose d'irréaliste. C'est une beauté, on peut dire, étrange, une beauté mystérieuse. Nanette Tournier pose la question du mystère de la beauté dans l'art. 从这幅画作当中呢，我们受到这种神秘以及奇特，这也正是这位画家的一个主要的风格。他是想通过自己的画作来展现这种神秘感。Et vous voyez également que la présentation de son travail est en translucidité. Vous avez des artistes qui peuvent peindre avec de la lumière. Et vous avez des artistes qui peuvent peindre avec des transparences. Mais c'est un exercice très difficile d'arriver à peindre avec les transparences, se rendre maître des transparences.
Et en fait, c'est ce qui est arrivé avec le talent de Nadette Tournier, elle est devenue maître des transparences. 那么在纳代特的作品当中呢，最值得我们关注的一点是他在创作时所表现出的这种透明。Aussi, le résultat, c'est que beaucoup d'admiration, les spectateurs sont toujours étonnés. Et la première question qui se pose, c'est « Mais comment vous faites ?» Et Nadette Tournier, souvent, répond, explique, mais aussi, elle garde aussi le secret de son travail, parce que c'est vraiment un talent exceptionnel qui a eu plusieurs années pour arriver, effectivement, à réaliser ceci. 那么就经常有人问起，这样一幅如此唯美的画是如何创作出来的呢？纳代特经常回答说，这是需要多年的工作和努力，然后才能够达到这样一种高的艺术造诣。À présent, nous allons voir l'œuvre de Nadette Tournier qui s'intitule La Lune. 接下来我们介绍她的第三幅画作，名为。D'une extrême finesse. 同样的，从这部画作中，我们可以看到，画家非常细腻的这种手法。On atteint un sommet au niveau de la poésie et de l'exercice qualité dans l'œuvre d'art. 我们从在观赏的过程中会唤醒内心的诗意。Vous remarquez comment? Tout est réalisé de manière naturelle. En fait, Nadette Tournier travaille avec des effets de l'art et elle guide les effets de l'art, elle guide son huilerelle tout en transparence et elle travaille ces effets de l'art pour leur donner un sens, leur donner une signification du paysage. 艺术家在进行创作的时候采取的是一种自然而然的方式。他在这个过程中追求的是艺术所表现的这种效果，他通过这种不同艺术形象的效果的表现来赋予他的画作。Beaucoup de lumière et beaucoup d'idées et comme vous le voyez ici, la lune. Mais cette lune aussi avec cette silhouette d'oiseau a beaucoup de poésie. 在画面的上端呢，我们看到。月亮这一个意象，那么尤其在这个月亮上有鸟，可以看到一只鸟的倒影，这样就增添了整个画面的诗意。Vous voyez les dégradés de couleurs, c'est un travail qui est dans des dégradés de très légères ocres, de très légères gris, et donc si vous voulez, la lumière est très difficile à capturer quand on travaille justement dans toutes ces couleurs.Qui sont un petit peu ocrés. Et tout autour, vous voyez ici, on dirait presque un travail de dentelle. C'est presque un travail, disons, tout à fait raffiné. 在月亮之下，画家通过这些浅灰色色彩的运用，用一种十分细腻的手法，给我们烘托出他整个画作的主题。Voilà, cette lune est particulière. Pourquoi? Parce qu'en fait,Vous avez la possibilité de sortir du tableau, et cette lune en même temps, c'est un trou de lumière vers un ailleurs. 在这里，月亮是整个画作中的一个重点。那么我们甚至可以感受到，这是一个光圈，它能够让我们看到画面之外的世界。J'attire à nouveau l'attention du jury, de mesdames et messieurs les membres du jury, sur la qualité de cette œuvre, la haute qualité, la haute tenue de ce travail. 在这里也请委员会的各位评委会的各位委员注意，在这幅画作当中呢，所体现的画家的细腻的手法和他在其中做的工作。Nadette Tournier.Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation de cet artiste à style et tendance aujourd'hui à Pékin.
présent, donc, que nous allons procéder à la remise des prix. Et je pense que le président va ouvrir cette séance pour lui. Maintenant, la remise du Trophée international des arts de Chine 2015, Nadette Tournier. Bravo Nadette Tournier, cet artiste qui nous a beaucoup fait rêver avec, vous en souvenez tous, son hommage à Turner, qui a beaucoup plu à nos amis asiatiques, à nos amis de Pékin. Bravo à Nadette Tournier, et puis on se souvient de ses huiles rêves, de cette belle création avec ses transparences. Bravo. Bravo Nadette Tournier.